Luc, je te laisse la parole pour une quinzaine de minutes et puis après on échange avec la salle. Super, merci. Bonjour. Et merci d'être là. Alors je suis un peu impressionné et puis étonné de voir tous ces visages dont il y a plein que je ne connais pas. Donc j'aurais bien proposé un tour de table, mais je ne suis pas sûr que ce soit trop l'habitude pour savoir à qui j'ai affaire. Je vais essayer de vous raconter à qui vous avez affaire. Quand on m'a proposé de faire ce réveil créatif, je me suis un peu demandé ce que j'allais pouvoir vous raconter. Et puis il y a une idée qui a émergé de façon un peu surprenante, mais qui a fait remonter des choses assez anciennes. C'est de vous parler du métier de producteur. Alors ça peut sembler évident, mais j'ai pas tellement l'habitude de parler de mon métier de producteur. Et j'ai pas eu tellement l'occasion non plus d'analyser ce que ça voulait dire pour moi d'être producteur, mais je me suis rendu compte, notamment récemment, je sais plus à quelle occasion, il y a quelqu'un que j'ai rencontré, à qui j'ai dit que j'étais producteur, et qui m'a sorti les clichés habituels de « Ah ben, tu dois avoir plein de pognon, et tu gères que de l'argent ». Et donc j'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait une différence entre un producteur et un banquier. Et c'est pas si évident, et c'est pas si répandu, les gens qui savent la différence entre un producteur et un banquier. Peut-être parmi vous, il y en a qui ne le savent pas. Donc je vais essayer d'éclairer un peu ça. Ça me semble intéressant, parce que c'est vraiment un métier qui est très très loin de ça. Déjà, moi je suis devenu producteur, pas par goût de la finance, mais par hasard, par des rencontres. Et il y a quelques voies universitaires de formation qui permettent de devenir producteur, mais il n'y en a pas tant que ça. Et autour de moi, les producteurs que je côtoie, qui travaillent essentiellement dans la région, mais aussi un peu partout en France, puisque je commence à en côtoyer pas mal, sont pas des gens de formation producteurs. Moi, la façon dont je suis devenu producteur, c'est vraiment... Ça a à voir avec mon rapport à la créativité, puisque c'est un peu le sujet de ces réveils. C'est-à-dire que j'ai eu envie, dès l'enfance, on va dire, comme beaucoup, d'avoir une activité créative, d'avoir une expression créative, et puis je ne trouvais pas vraiment de forme qui me corresponde, où je me sente à l'aise, où je me sente... peut-être décomplexé par rapport à l'historique de tout ce qu'on peut connaître comme expression artistique. Et comme je ne suis pas particulièrement courageux non plus, j'ai laissé ça un peu de côté, j'ai suivi des études tranquillement, j'ai fait des études de droit qui ne m'intéressaient pas beaucoup, mais qui me laissaient beaucoup de temps pour mes loisirs et pour aller au cinéma. Et puis arrivé à la fin de mes études de droit, après une maîtrise, je me suis dit, il serait temps que je m'intéresse à mon avenir et que je me cherche une voie. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là que, comme j'avais quand même un goût pour l'audiovisuel, je suis allé vers l'audiovisuel en me disant, il faudrait que, peut-être en production, il y a quelque chose à faire, puisque j'ai un bagage de droit, ça fait sérieux, c'est de la gestion, il peut y avoir des trucs dans ce domaine-là. Et j'avais un super piston, un oncle qui travaillait au GAN, les assurances, qui m'a obtenu un stage passionnant à la Fondation GAN pour le cinéma, donc où j'ai passé un mois à Paris à la Fondation GAN pour le cinéma. C'était un stage pistonné, donc j'avais rien à faire. Mais j'ai trié les dossiers et j'ai vu passer un dossier. La Fondation GAN distribuait une aide à la production de longs métrages, de premiers longs métrages. Et moi, c'était vraiment... pour moi, le cinéma, c'était ça. Hein, c'était le long métrage de cinéma de fiction. J'avais pas une grande culture de l'animation, des formats un peu divers, même du documentaire. Donc je suis allé voir, je voyais ces scénarios qui passaient. Et j'en ai vu un qui venait de Toulouse. Et comme j'avais fait mes études à Toulouse, j'avais vécu l'essentiel de ma vie à Toulouse, je me suis dit, très bien, il y a une boîte qui fait du long métrage à Toulouse, je vais aller les voir, je vais leur demander un stage, ça me permettra peut-être de pénétrer un peu ce milieu. Je suis allé voir cette boîte, qui s'appelait K-Production, qui s'appelle toujours K-Production. Et il se trouve que c'était leur premier projet de long métrage, que c'est un projet de long métrage qu'ils n'ont jamais réussi à produire. Donc vraiment du long métrage à Toulouse, jusqu'à l'été dernier, il n'y en avait jamais eu de produit d'initiative locale. Mais par contre, ils faisaient du court métrage, ils faisaient du documentaire,
Et ils m'ont pris en stage, puisque j'avais donc cette carte formation droit qui faisait très sérieux. Et ils commençaient à faire un peu de film d'animation. Et là, j'ai découvert vraiment un monde qui m'a fasciné. Très loin de ce que je pouvais avoir comme référence en animation, c'est-à-dire Walt Disney, Pixar, dans les techniques vraiment les plus originales, c'était ce que je connaissais, c'était Wallace et Gromit et L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc des choses quand même très grand public, et là j'ai découvert des gens qui faisaient du court-métrage d'animation avec des techniques complètement dingues, en manipulant des matériaux incroyables. De la pâte à modeler, mais aussi de la peinture, du papier découpé, du sable, tout un tas de choses. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et il y avait une petite équipe qui commençait à se constituer autour de Marc Ménager, notamment un plasticien qui démarrait dans l'animation, et Dominique Deluz, réalisateur et producteur, avec l'envie de développer cette technique-là à Toulouse et de faire des choses autour de l'animation, non seulement en production, mais aussi sous forme d'atelier pour les enfants, pour expliquer, apprendre aux enfants à faire de l'animation, sous forme de spectacle, avec de l'animation dans la rue, avec les gens qui passent. L'idée, c'était de créer d'abord une association pour essayer de mettre ça en place, de développer cette activité, et puis de trouver du boulot d'abord pour Marc, et puis pour les techniciens, les quelques techniciens d'animation qui étaient par là, ou qu'on avait repérés et qu'on voulait faire venir. Donc, ils m'ont proposé, puisque j'étais là et que je ne savais pas faire grand-chose, mais que je pouvais apprendre, de m'occuper de monter cette association et de la gérer. Et c'est comme ça que je suis devenu, d'abord dirigeant d'association, avec une volonté de production, mais pas vraiment une structure de production. Et puis qu'après, on a monté une société, XBOFilm, pour pouvoir produire pour de vrai. Parce que quand vous allez voir des chaînes de télé avec des projets de films d'animation ou de séries, ou que vous allez voir des institutions, si vous n'avez pas une société commercial, vous n'êtes pas très crédible. Donc on a créé les outils de notre projet qui était de faire de l'animation tous azimuts. De l'animation traditionnelle, c'est-à-dire l'animation qui se fabrique devant une caméra. Le principe de l'animation, c'est de faire des photos et de les faire défiler ensuite à la vitesse de 25 images par seconde pour recréer du mouvement. Et l'animation traditionnelle, c'est celle qui ne se fait pas sur un ordinateur, mais devant une caméra avec des marionnettes, avec des vrais gens aussi parfois, ça s'appelle la pixilation. Comme ça, on peut faire voler quelqu'un, ou on peut les faire apparaître et disparaître. On peut le faire avec, en ce moment, on le fait avec de la peinture, on peut le faire avec du sable, avec du papier découpé, ou des dessins, évidemment. Et c'est une technique qui nous plaisait particulièrement parce que je pense qu'on partageait ce goût de la matière, de plus que de raconter des histoires, ce qui nous distingue peut-être de nos collègues de TAT que vous connaissez sûrement, qui ont déjà fait un réveil créatif ici, c'est que c'est pas tant l'envie de raconter des histoires qui nous a conduit à faire de l'animation, mais plus l'envie d'avoir des expressions plastiques. De mettre en œuvre des expressions plastiques et de les faire bouger. Je vais faire juste une petite parenthèse sur mes copains de TAT, puisque c'est vrai que c'est l'autre grosse structure, la grosse structure d'animation de la région, qui, quand je vous disais que jusqu'à l'été dernier, il n'y avait jamais eu de long métrage produit d'initiative locale, c'est eux qui ont fait le premier long métrage toulousain, régional, Les As de la Jungle. Et en 3D. Et eux, ils ont. On a commencé en même temps. C'est-à-dire que quand on a créé la ménagerie, quand on a commencé à bricoler dans l'animation, eux aussi étaient en train de commencer à bricoler dans l'animation. Et ils faisaient aussi de l'animation stop-motion traditionnelle, de la marionnette. Ce qui est un peu normal parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus évident. Il n'y a pas besoin d'un gros savoir-faire technique pour faire de l'animation traditionnelle. Il y a besoin d'un appareil photo ou d'une caméra numérique ou d'une caméra 35 encore à l'époque, ça arrivait. Et puis de la matière et on l'anime, on la fait bouger. On prend une photo, on fait bouger, on prend une photo. C'est vraiment d'une simplicité enfantine.
Après, il y a le savoir-faire qui va derrière pour rendre ça vivant et efficace et beau. Mais après, eux, comme ce qui les intéressait le plus, c'était de raconter des histoires et c'était d'avoir un bon support pour raconter leurs histoires, ils se sont orientés vers quelque chose de plus... un peu plus commercial peut-être, plus simple aussi à mettre en œuvre à grande échelle, et puis dans l'air du temps, et ils sont passés à la 3D. Et ils ont très très bien transposé leur univers en 3D, et ils ont développé des histoires super. Mais nous, on est resté sur l'animation traditionnelle, dont on nous disait à l'époque que c'était mourant, parce que justement la 3D venait d'émerger, et que finalement on n'allait plus voir que des films en 3D, et que l'animation traditionnelle allait s'éteindre tout doucement. Ce qui n'a pas été le cas, même s'il y a eu une grosse période de creux, c'est revenu. Au bout d'un moment, je pense que le public a eu besoin de voir d'autres choses que de l'image très propre 3D, un peu froide, mais de voir des expressions plastiques différentes, justement. Et ça a fait revenir l'animation traditionnelle, ce qui fait que nous, on a profité un peu de ça, puisque comme on a maintenu une technique, un savoir-faire, ça nous a permis de plus facilement être identifiés et être sollicités pour travailler sur des projets et puis faire apparaître nos projets de façon un peu plus facile auprès des diffuseurs. Ce qui fait qu'on a commencé en faisant des petits courts-métrages très confidentiels et puis petit à petit qui ont pu être diffusés dans des festivals, puis achetés par des chaînes de télé, puis pré-achetés par des chaînes de télé, ce qui est encore plus simple pour le financement des films, et puis faire de la série, et maintenant on est en train de faire un premier long métrage. Donc voilà, tout ça pour parler du métier de producteur dont je ne vous ai pas parlé encore. Il serait temps que je m'y mette. En quoi ça a consisté pour moi d'être producteur? C'est que producteur, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui fait que gérer les sous ou qui met des sous dans un projet. C'est quelqu'un qui décide à un moment donné qu'un projet doit exister. Et qui, à partir du moment où il décide que ce projet doit exister, il n'a plus qu'à tout mettre en œuvre pour que le projet existe. Et tout mettre en œuvre, ça veut dire pas forcément mettre de l'argent parce qu'on n'en a pas. Un producteur qui débute, il n'a pas d'argent. Moi, j'ai commencé avec zéro argent, juste un peu quelques méthodes que j'avais apprises à Caproduction sur la façon d'aller chercher de l'argent pour financer un film. Donc l'aspect financier, il réside surtout dans ça, aller chercher l'argent pour que le film existe, et ensuite le dépenser le plus raisonnablement possible pour qu'il en reste à la fin pour aller jusqu'aux dernières étapes de production du film. Mais avant ça, c'est déjà miser sur un projet et dire ce projet-là, je pense qu'il doit exister, et donc échanger avec un auteur qui a proposé ce projet, ou bien proposer un projet à un auteur aussi, ça arrive que les producteurs initient des projets. Et puis réaliser tous les éléments qui permettent de convaincre des gens de participer à ce projet. Donc ça veut dire accompagner l'écriture d'un scénario, accompagner la constitution d'un dossier artistique, ce qui sont des exercices pas toujours évidents parce qu'il s'agit toujours de présenter quelque chose qui va être un film avec des outils qui ne sont pas du film, mais qui sont de l'écrit, un peu d'image quand même, mais de l'image fixe. Donc tout ça, ça demande un travail d'écriture et qui se fait beaucoup en échange entre le producteur et l'auteur. Puis après, il faut effectivement estimer ce que va coûter la production du film. Et là-dessus, il y a un gros enjeu, parce que si on se trompe, qu'on oublie un poste, qu'on oublie une dépense, après il va falloir... quand même la financer, et puis trouver cet argent qui correspond à ce budget qu'on a estimé du film, et ensuite tout le suivi de production, c'est-à-dire engager les équipes, encadrer la gestion humaine, ça fait partie du boulot de producteur aussi, accompagner les équipes, trouver les bonnes personnes pour faire les bonnes tâches, parce que ce sont des créations collectives. Qui mettent en œuvre pas mal de monde. Enfin, sur certains projets, on est à 40-50 personnes. Sur les longs métrages, ça peut monter à 100 personnes. Donc c'est quand même pas mal de monde.
Puis ensuite, bah, il y a aussi, une fois que la production du film est terminée, que l'image est là, que le son est là, puisqu'il y a aussi toute cette partie-là qui est très intéressante et très importante en animation, puisque le son se crée à partir de rien. Quand on fait de l'animation, on fait des photos, donc on ne prend pas de son. Il y a tout à recréer, les bruitages, les ambiances, les voix. Donc une fois qu'on a le film, bah, il faut aussi le faire vivre. Et ça fait partie aussi du boulot de producteur. Alors il y a des fois on délègue une partie à des distributeurs, des gens qui sont chargés d'aller vendre les films par-ci par-là, mais il faut aussi accompagner sa diffusion quand c'est un court-métrage, l'inscrire dans les festivals, venir parler des films auprès du public, tout ça pour bah, que le film soit vu, parce que quand on fait des films, c'est aussi pour qu'ils soient vus, c'est pas juste pour qu'ils existent, même si il y a eu des fois où on a un peu oublié au début de ma carrière, on oubliait un peu cet aspect-là, on était tellement content d'arriver à faire des films qu'une fois qu'il était fait, bah, c'était super, on avait juste envie de passer au suivant. Et il y a des films qui n'ont peut-être pas eu la carrière qu'ils méritaient parce qu'on n'a pas fait l'accompagnement nécessaire. Maintenant, on y consacre pas mal de temps et c'est vachement important et c'est vachement valorisant aussi. Mais voilà, donc en gros, le producteur, il couvre tout le temps de fabrication d'un film, depuis son idée jusqu'à sa diffusion, jusqu'à son exploitation. Et c'est le seul métier finalement qui est comme ça impliqué à toutes les étapes. Un réalisateur, il n'est pas forcément dans toutes les étapes, il y a des étapes qui lui échappent, même si souvent on a l'impression que c'est le réalisateur qui est vraiment le papa du film, ce qui est le cas artistiquement. Il y a une maman producteur à côté qui est là du début à la fin. C'est là que, bah pour raccrocher avec une pirouette à l'idée de créativité, c'est là que moi j'ai trouvé une forme de créativité qui me correspondait. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de créatif spontanément et à partir de rien. Je n'ai pas des idées qui me viennent, des envies qui me viennent, d'expression à travers des médiums que je maîtriserai, ça ne me vient pas. Par contre, je me suis trouvé assez, je pense, efficace et utile en réaction, en échange avec les créatifs que je devais côtoyer dans mon métier de producteur. Et ça m'a complètement épanoui d'une certaine manière. C'est là que j'ai trouvé une place. J'ai mis du temps à comprendre. C'est vrai que quand je suis arrivé à ce poste de producteur dont j'ai pris la place au fur et à mesure du temps et de façon assez empirique, je me suis demandé pendant longtemps qu'est-ce que je foutais là, quelle légitimité j'avais à être producteur, à devoir trancher, prendre des décisions, parce que ça fait partie aussi du boulot de producteur. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. Et puis je me suis aperçu que ça venait du fait que les gens m'écoutaient. Et m'écoutaient pas juste parce que j'étais à cette place-là, mais parce qu'ils trouvaient que c'était pertinent ce que je leur racontais et que ça les aidait. Donc finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je suis producteur et j'assume. Et c'est vachement plus confortable. Et c'est une forme de créativité, je trouve, qui est intéressante. Et qui est intéressante aussi dans ce qu'elle met en œuvre, à la fois par rapport vraiment à du contenu artistique, mais aussi à plein d'autres domaines, puisque je touche à plein de domaines, je participe à de l'écriture, à de l'image, à de l'animation, mais aussi du juridique, puisqu'il y a quand même des contrats dans nos histoires, du financier, et puis de la gestion d'entreprise, puisque c'est une entreprise, une boîte de production, de la ressource humaine, ce qui est aussi un truc assez costaud et qui demande pas mal de créativité dans ce milieu-là, parce qu'on n'est pas toujours... on a plein de systèmes, de dispositifs de financement des postes, l'intermittence, mais aussi les contrats aidés, mais aussi, et puis avec tout le champ d'activités qu'on couvre à travers à la fois la production d'animation, mais aussi les ateliers, mais aussi des spectacles, mais aussi du développement de logiciels, on fait du logiciel... On développe un logiciel libre pour permettre aux enfants de faire de l'animation à la maison avec une webcam. Donc à chaque fois, c'est des trucs où il faut être créatif aussi dans la façon d'organiser le travail, dans la façon de le répartir.
c'est de l'apprentissage permanent. Et c'est ça aussi que je trouve vachement riche et intéressant dans mon métier. Qui n'est pas facile tous les jours, hein, quand même, pas non plus. Mais qui est d'être toujours confronté à des choses inédites, nouvelles, réinventées à la fois par les techniques qu'on va utiliser quand on se lance dans un projet de production. Bah, on se dit, tiens, on va animer de la peinture, super, on va faire ça sur 4 niveaux pour pouvoir garder un fond de décor fixe et puis ensuite pouvoir animer les personnages sur un niveau et puis pouvoir mettre au-dessus par-dessus un niveau de décor qui va être en amorce, donc en avant-plan, et tout ça, c'est super. Mais après, il faut trouver la méthode pour éclairer ça, pour faire en sorte que ça passe bien à l'image, pour faire en sorte que ça ne soit pas trop long pour les animateurs, entre deux déclenchements d'image, voilà. Enfin, tout un tas de trucs super concrets qu'il faut tester, imaginer. Et voilà, donc on fait jamais la même chose. On fait plein de fois la même chose, mais jamais de la même manière. Et c'est en ça que je trouve que ce métier est très intéressant par rapport à des métiers qui sont plus récurrents, plus... Voilà, on produit un objet qu'on distribue, qu'on vend, on refait le même, on a une clientèle, etc. Ça complique les choses parfois parce qu'on n'est jamais sur une stabilité très forte, mais c'est riche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.